Titouille et Toto apprennent à grandir. De Céline Lamour-Crochet et Nathalie Janet. Titouille et Toto apprennent à grandir. Dans la mare aux canards, deux petits têtards, Titouille et Toto, nagent parmi les lentilles d'eau. Ils sont sortis de leur œuf il y a peu et découvrent l'étendue d'eau qui s'offre à eux. Ils sont si petits et semblent si fragiles. Les deux têtards se ressemblent tellement qu'il est difficile de les différencier. Tout à coup, une ombre surgit. Titouille et Toto se cachent vite sous un caillou et restent immobiles à l'abri. C'est un gros poisson qui cherche à manger. Ouf, il s'éloigne. Les petits têtards peuvent reprendre leur promenade. Titouille et Toto mangent beaucoup d'algues et grossissent de jour en jour. Surtout Titouille. « Pourquoi grandis-tu plus vite que moi ?» s'étonne Toto. « Je ne sais pas, je mange pourtant comme toi. » Un matin, alors que les deux têtards se reposent, Titouille s'exclame. « Oh, regarde, tu as deux petites pattes à l'arrière. »« Toi aussi, » constate Toto. Ces petites pattes les intriguent beaucoup. À quoi peuvent-elles servir ? Peu à peu, la peau de Titouille s'éclaircit. « Tu resteras mon ami, même si je change de couleur ?» demande Titouille. « Oh oui, quelle importance ! Ce n'est pas parce que ta peau devient plus claire que nous serons différents. Nous sommes tous les deux des têtards et nous nous amusons bien ensemble dans la mare. » Titouille grandit très vite. Maintenant, il est deux fois plus gros et plus grand que Toto. « Tu resteras mon ami, même si je reste tout petit ?» s'inquiète à son tour Toto. « Bien sûr que oui, » le rassure Titouille. « Grand ou petit, quelle importance ! Nous sommes deux têtards et nous nous amusons bien ensemble dans la mare. » Quelques semaines plus tard, Titouille et Toto se réveillent avec deux nouvelles pattes. « Nous avons... » « Quatre pattes maintenant, » constate fièrement Toto. Les deux têtards apprennent petit à petit à s'en servir, et tout compte fait, celles-ci leur sont bien utiles pour se déplacer. Toto est maintenant de la même taille que Titouille, mais leurs pattes sont différentes. « Seras-tu toujours mon ami, même si j'ai les pattes palmées ?» s'alarme Titouille. « Mais oui, » confirme Toto, « même si tu nages plus vite que moi, nous sommes deux têtards, et nous nous amusons bien ensemble dans la mare. » Petit à petit, les queues de Titouille et Toto raccourcissent. Ils se hissent doucement sur la berge et découvrent ainsi la mare sous un angle différent. Mais Titouille ne peut pas rester hors de l'eau trop longtemps. Il saute à nouveau dans la mare. Toto, quant à lui, se sent plus à l'aise sur la terre ferme. Que se passe-t-il ? Ils ne sont plus deux petits têtards. L'un est devenu une grenouille, l'autre un crapaud. Toto vit sur terre, tandis que Titouille vit dans l'eau. Resterons-nous amis ? Se demande-t-il inquiet. Ils se regardent longuement et comprennent une chose. Peu importe leur différence, ils resteront amis pour la vie. Et voilà l'histoire de Titouille et Toto qui apprennent à grandir.